She's alive. I just don't know where she is. I could feel her blood leaving her body. We are all going to survive this. You have to be okay with the pain and the blood. Bienvenue au festival de Gérard May. On poursuit nos petites vidéos avec un film qu'on avait eu l'occasion de voir au NIF et que Brice vient de rattraper à Gérard May. Est-ce qu'il a eu de la chance? Nous allons voir ça tout de suite. Et il s'agit de Perpetrator de Jennifer Reeder. Alors, comment dire les choses? Moi, je l'avais vu au NIF, je l'avais détesté, donc je laisserai davantage Brice en parler. C'est un film très féminin. Un film avec des adolescentes qu'on va suivre et qui vont essayer de résoudre, une série de disparitions énigmatiques avec un éventuel tueur en série. Brice, toi qui es gendarme à tes heures perdues, qu'as-tu pensé de ce film ? Film très particulier, c'est le cas de le dire. Et je pense qu'en fait, nous les hommes, nous ne sommes clairement pas la cible de cette œuvre. Comment expliquer, comme l'a appris hier soir Arthur, c'est un film, on peut utiliser le terme misandre pour ce film, qui n'aime pas trop les hommes, on va dire. Tu me reprendras bien évidemment. Je reprendrai bien. Voilà, n'hésite pas. Je ne manquerai pas. Voilà, tu ne manqueras pas. Mais en fait, dans les 15 premières minutes déjà, on sent quand même que la réalisatrice nous fout un coup de pied au derrière et qu'elle nous dégage de la séance. J'ai vraiment ressenti le film au moment quand même un espèce de drame fantastique vraiment axé sur le girl power, ce qui n'est pas d'ailleurs un problème en soi, hein. Très féministe, comme avait pu l'être récemment Promising Young Woman, qui par contre est excellent. Mais lui, le gros problème, c'est que tout est fait avec de très 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 gros sabots. Il y a énormément de facilité. Tous les rares hommes qu'il y a dedans, il y a trois hommes, deux hommes, ce sont des gros connards finis, et le dernier, c'est plus ou moins un sextoy sur pattes. Comme si dans le film, les hommes étaient soit des enflures, soit un objet sexuel et qu'on n'avait pas d'autre utilité. Ce qui m'a un peu dérangé dans le métrage. Et au-delà de ça, le scénario est quand même très très brouillon. Ça part dans tous les sens, ça va jamais véritablement au bout de son concept. Les thèmes sont survolés, voire des fois surappuyés. Tout est survolé, c'est du quasi grotesque, c'est-à-dire qu'on précise. Bon, on a eu un petit débat hier soir, vidéo sur est-ce qu'il s'agit d'un film misandre ou non, est-ce qu'il s'agit d'un film féministe. Moi, je presque veux dire, je suis pas complètement sûr qu'il s'agisse ni d'un film féministe, ni d'un film complètement misandre, parce qu'il y en a qui l'ont fait très bien par le passé. Évidemment. Je pense par exemple à, quand moi j'ai adoré Titan, qui était une d'ailleurs des premières critiques qu'on avait pu faire sur Mag, qui est un film qui va dresser un portrait de la virilité, du patriarcat, qui est acerbe, qui me semble être assez juste. Mais c'est fait avec intelligence. Oui. Et là, justement, dedans, dans Perpetrator, mais là, on se rejoint quand même, on peut un peu s'interroger parce que, franchement, c'est fait avec tellement de gros sabots. Et là où je dis que moi, c'est pas exactement ce que j'appellerais le féminisme, c'est qu'il y a beaucoup de cases cochées de manière ridicule, quitte à dévoyer, je trouve aussi, le message qu'il peut y avoir dès le départ. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et comme je l'ai expliqué hier, j'ai lu une interview qu'a fait la réalisatrice quelques semaines avant la sortie aux États-Unis, où elle a ouvertement dit, dans le cadre de cet échange, que seule une personne ayant un utérus se sentira concernée ou peut comprendre certaines choses. Alors effectivement, pas de souci là-dessus. Comme elle explique effectivement que les règles, une fois par mois, les femmes, elles se réveillent donc une fois par mois avec une véritable scène de crime entre les cuisses. Alors pourquoi pas, mais je trouve ça vraiment très violent, un peu caricatural. Je ne suis pas une femme, effectivement, donc je peux peut-être pas comprendre certaines choses, je le reconnais évidemment, mais c'est un peu surappuyé, quoi. Bah, disons qu'on ne pas qu'il s'agisse de nier quelconque. C'est évident que c'est difficile. D'ailleurs, c'est un thème dont on parle de plus en plus. Il y a les règles difficiles, etc. Tout ça. Mais bon, sur un film fantastique, c'est un peu grossier d'appuyer et le phénomène du sang avec un élément fantastique qui est tellement balancé de manière artificielle. C'est à la fois très fantastique. Et pas du tout, dans le sens où en fait, elle est censée avoir, bon, on va pas vous spoiler, mais plein de pouvoirs, qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, on ne sait pas, elle a ça, mais on ne l'explique jamais clairement.
Et bon, c'est toujours lié au sang, bien évidemment, pour la métaphore. Et bon, d'ailleurs, le film dégouline très très généreusement de sang qui sort d'orifices plus ou moins naturels, avec un petit clin d'œil, mais c'est plus qu'un petit clin d'œil. Moi, je dis ça un peu de manière négative, mais on a l'impression que la metteur en scène, presque, elle se masturbe sur le cinéma de Cronenberg. Mais en version pareil, que pour prendre du plaisir, on le voit pas différemment quoi. Donc avec des inserts très très grossiers sur du body horror ou ce genre de choses. Du body horror tellement grossier quoi. Oui, c'est C'est-à-dire ça. vraiment, ça peut partir un peu dans vraiment de très très loin, hein, mais je veux dire dans quelque chose à la Seven avec un psychopathe, un tueur, etc. Mais alors vraiment, ça serait le Seven Wish très concrètement. Il faut aussi penser à du David Lynch pour certains Voilà, pour tueurs mais en série. il s'agit pas de piocher et ça fait vraiment tellement série B. Je Oui. pense à ce moment un peu gore, etc. Et c'est tellement avec des symboliques au forceps, enfin tu vois, tu parles de trucs, etc., de règles, Oui. etc., que bon, le message il est gros comme un camion et on n'a pas d'émotion Non, du tout. véritablement. Et quand je dis ça fait vraiment case LGBT assez au Oui, c'est queer forceps, friendly, c'est que oui. ça il n'y a aucun souci que ça puisse Ah non, pas du l'être, tout. mais il faut que ça légitime quelque chose. Oui. Et là, on a un peu l'impression Parce que là, que même la cette relation action. entre les deux filles est amenée de manière ultra maladroite, gratuite et n'est même pas développée. Donc c'est un peu, je coche une case, mais ça s'arrête là, ce qui est un peu, ce qui est très dommage en fait. Parce que fondamentalement, comme dit, moi j'ai pas détesté le film, en fait, comme toi, même Moi, si je finalement j'en déteste. dis du mal, mais voilà, je me suis pas, j'avais l'impression de ne pas être la cible, en plus du côté que je trouve l'écriture quand même très maladroite et tout. Il y a des choses pas inintéressantes, par exemple au sein du lycée à la Netflix, ça j'en rigolais ce matin avec Arthur, c'est le lycée américain type, comme il y en a dans toutes les productions Netflix, ça me saoule, on dirait les nouvelles aventures de Sabrina, c'est plus possible. Ou alors faut que j'aille aux États-Unis, peut-être que tous les lycées sont comme ça, mais j'y crois pas un instant. C'est du lycée un peu à la mode super-héroïque, comics book, je sais pas comment je peux dire, voilà, c'est ultra surfait. Mais en fait, dans les quelques séquences dans le lycée, elles sont tellement absurdes et grotesques que ça ne peut être que volontaire, de mon avis. Donc ça apporte un petit décalage, justement, c'est très drôle. Mais d'un autre côté, on a des scènes des fois ultra violentes et qui se veulent malaisantes, mais qui sont, Série B, ça ouais, peut. série B. Du coup, on sait pas trop sur quel pied danser. Et tout est amené très maladroitement. Et pourtant, l'idée de base n'est pas inintéressante. Le propos non plus, c'est des propos qu'on retrouve quand même régulièrement, parce que là aussi, sortie de l'adolescence, voilà, début d'être une femme, il y a tout le sous-texte aussi avec le fait que la réalisatrice dit à plusieurs reprises que les femmes ne peuvent pas se promener dans la rue sans être pelotées et autres. Voilà, il y a quand même des thèmes qui sont très intéressants et qui sont réels, hein, clairement, mais c'est amené de manière très grossière. Voilà, c'est des gros sabots tout le temps, et c'est très dommage parce qu'avec un petit peu de soin d'écriture et même de soin de mise en scène, parce que les quelques effets en mode kaléidoscope qui sortent de nulle part, on ne sait pas pourquoi c'est hors sujet par rapport au reste du temps. Enfin voilà, c'est quelque chose qui a été fait, on dirait, un peu en mode punk, mais sans véritable fil directeur, bordélique en C'est fait. juste un peu crade, mais pour les Oui. habitués de films de genre, obligé, il ne s'agit pas d'avoir des thématiques par exemple, je pense à la thématique du genre, de l'identité, de la féminité, du passage à l'âge adulte, etc. Les thèmes Pour classiques du genre, hein, tout à que, fait. voilà, c'est des choses qu'on Ah voit oui. systématiquement et qu'on a vu, mais tellement mieux fait, mais 1237 fois, et finalement de manière beaucoup plus radicale, Ah oui. sans tomber dans, je repense, reciter à nouveau. Titane, il y a cette scène quand on parle d'identité. Au début, on voit l'actrice principale danser de manière hyper sexualisée sur une voiture, un peu à la boulevard de la mort, des scènes qu'on a déjà vues chez Tarantino. Scène qui sera singée plus tard, de la même manière où elle va danser sur un bus. Alors cette fois-ci, après s'être fracassé le visage et du coup être grimée en homme, et là elle va être désirée par des hommes. Donc c'est hyper intéressant en termes de représentation Tout à sur fait, l'identité oui. et sur le désir, etc. Mais là, tout ce qui est touché, c'est tellement gros qu'on a l'impression que c'est du cinéma pour un peu bebeux. Oui, ou du teen movie, mais pas dans le sens positif là. Enfin, c'est très négatif. Teen movie, peut-être un peu pour une plateforme de SVOD. Quand je parle de Netflix, au niveau Obscur. des décors, ouais, ça y trouverait très bien sa place. C'est du divertissement et encore. Voilà, pré-mâché, rapidement consommé, que tu oublies aussi vite que tu l'as consommé, en fait, c'est Puis ça. on peut pas Et spoiler, mais je veux dire rien, ne non, serait-ce que le final compliqué. qui va essayer de chercher de relier les ponts du fantastique, etc. En fait, il choisit jamais complètement son genre. Je veux dire, même dans Oui. l'enquête, je veux dire, franchement, l'enquête est Enfin, encore plus l'enquête, il n'y a pas mâchée. l'enquête, ouais, on s'en Voilà, fout. il y a rien du tout.
Et puis dans la libération, promise, etc. C'est tellement gros, on voit tout venir. Ouais, c'est personnellement, j'ai vraiment pas aimé. Non, oui, c'est globalement raté. C'est pas inintéressant, mais c'est globalement raté. On va le dire, voilà. Voilà, bon, si vous voulez voir le film, que vous êtes curieux, n'hésitez pas. Bien sûr. Voilà. Toujours se faire son propre avis. Il faut se faire son propre avis Il a aussi. plu à beaucoup de dames hier dans la salle. Peut-être pas à toutes les dames, mais hier, beaucoup de dames semblaient ravies. Donc, il faut tenter. Il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé non plus. Aussi, mais c'est pour ça que je dis, voilà, Mais il y a bon. deux côtés. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à nous suivre encore sur le festival. On a plein d'autres vidéos qui arrivent et des interviews. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou n'hésitez pas à dire l'inverse. Si vous avez un avis contraire sur le film, on sera d'ailleurs ravis de le lire. Exactement. Voilà, allez à bientôt sur Salut Mac. tout le monde, à bientôt.